Hey, les gamins, les gameuses, bonsoir et bonjour. Voici les défis de la dernière semaine 3. Donc le premier, c'est réanimer les alliés dans plusieurs parties. Donc un allié à chaque partie, ce sera trop facile. Vous avez fait 5 parties, 5 alliés. Voilà, simple. Le deuxième défi, pour ceux qui n'ont pas le passe-combat, je précise. Le deuxième défi, il est plutôt sympa aussi. Voilà, le premier étape, déjà, c'est fouiller un coffre à Anoli Lodge. Bon, il y a 3 étapes. Donc on a vu les deux autres, soit c'est aussi des coffres. Ou des coffres de munitions et de ravitaillement. De toute façon, c'est pas les défis les plus voilà, difficiles non plus. Tout le monde peut les faire assez facilement. En plus, c'est un seul coffre. Ça ne demande pas à faire 7 coffres ou 5 coffres. Le troisième défi, il va être assez drôle, je trouve. C'est sonner à la porte d'une maison où se trouve un ennemi. Et vous devez faire ça 5 fois. Soit dans la même partie ou plusieurs parties. Comme vous voulez. Mais il faut qu'il y ait un ennemi à l'intérieur de la maison. Donc, à conseil, allez directement là où les ennemis sont. Ou carrément. Ça ira beaucoup plus vite. Parce que bon, faut vous dire, trouver un ennemi à vraiment à la. Je sais pas comment ils vont mettre une sonnerie, on verra bien. Et on va voir après, ensuite, les défis de la semaine 3 pour les passes combat. Et voilà donc pour ceux qui ont les passes combat, les défis. Vous êtes prêts? Ils sont plutôt pas trop mal non plus. Je pense que les défis, voilà, ils vont commencer vraiment, vraiment bien. Déjà parce que. On sera basé sur le côté Halloween. Et il y aura sûrement des skins qui vont sortir également cette semaine. Alors, et vous avez les petits skins, les petits défis. Le premier, c'est défier. Donc, en fait, il y a un défi à 2 étapes. Il faut visiter le premier à Ricky Reel. Et il faut ensuite aller à Wildwood qui est juste à côté. C'est facile. Deuxième étape, on sait pas. Et ça va être sûrement la même chose. Visiter 2 villes à la suite. Ensuite, c'est afficher les dégâts. Deuxième défi à un ennemi avec une tomate. Vous savez, ceux qui sont débloqués. Moi, je l'ai débloqué, alors j'espère que vous l'avez débloqué. Ça, vous serez obligé de faire beaucoup de défis ou beaucoup de jeux pour pouvoir débloquer la tomate. Sinon, vous ne pourrez pas faire le défi. C'est pour ça que j'ai mis à la troisième semaine, parce que normalement, si vous avez fait tous les défis et tout, vous avez tous la tomate, logiquement. Donc, le défi de la tomate, c'est pour. Il faut tirer avec la tomate bon, pour viser un ennemi à 20 mètres. Ça va, c'est pas trop difficile. Après, bon, il faut tirer, il faut toucher l'ennemi. Il faut faire ça 5 fois, il me semble. Ah non, seule fois, j'ai rien dit. Je crois que c'est 5 fois, non, c'est pas celui-là. C'est un autre qui a 5 fois. Bon, bref, troisième défi, c'est tirer sur 3 cibles à différents stands de tir. Alors là, vous allez me demander, ouais, c'est quoi? Alors moi, j'avais vu ça depuis la saison 5, et j'avais toujours dit qu'il y aurait un défi avec ça. Personne me disait oui, tout le monde me disait non, il n'y aura pas de défi avec ça. Et ben voilà, saison 6, il y a le défi. Alors pour ceux qui savent pas où ça se trouve, moi je sais. Déjà, du moins, j'en sais sur 2 sur 2, parce que voilà, c'est des endroits où. C'est assez facile à y aller. Premier, c'est au Viking. Il y en a, je crois, 2. Des fois, il y en a 3. Mais je crois qu'il n'y en a que 2. Sur le côté, pas à côté du bateau, mais de l'autre côté qui n'a pas de bateau. Enfin, il est sur la quai du Viking. Et le deuxième endroit, c'est à Lolinou, justement. Et vu que c'est à côté de Walling, vous pouvez faire les défis en même temps. Pour ceux qui n'avaient pas ce combat, c'est à Lodge. Là, qui a bah, pas grand-chose, on va dire. Il y a, je crois, 4 cibles. Donc voilà, c'est vraiment facile à faire. Les petits défis de la semaine sont terminés. Sur ce, je vous dis à ce soir pour la boutique. Peace!